Eh bien, salut tout le monde, c'est Sepoix45, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo détente sur Colin McRae Dirt 3. Alors, avant toute chose, je préfère vous prévenir, je ne suis, mais alors, pas du tout un PGM de la course de bagnole. Moi, ça, c'est plutôt pour mon papa qui est dans ce domaine-là extrêmement fort. Mais alors, moi, parce que lui, c'est bon, il a eu la chance de s'entraîner quand il était jeune dans les bars, vous savez, les petites simulations là. Avec le volant et les pédales, comme on s'y croirait. Donc lui, il a eu beaucoup d'entraînement, donc il est vachement fort. C'est plutôt un jeu qu'on avait acheté pour mon père, justement, et qu'il l'a fini en même pas un mois. Alors c'est quand même un jeu assez long, hein, je vous tiens à vous le dire. Donc on va essayer de retracer ses traces de son enfance en essayant de bien jouer. Allez, c'est parti, joueur solo. Course unique, discipline. Il y a quoi? Rallye, rallye cross... Bon, moi je m'y connais pas du tout à mettre rallye, je sais que rallye c'est le rallye normal. On va aller où tiens? Michigan, Kenya, Finlande tiens. Et on va mettre... Oh, Kakaristo, ouais non. Putain, on va mettre K. 4 Celka. Oh, donc. Type de véhicule, Open Pro. On va mettre Pro pour voir ce que ça fait. Condition, on va mettre Matin Soleil tiens. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme bagnole? Waouh, Ford Focus. Oh oui, oh bah ça, direct. Sébastien Loeb. Citroën Junior Team ou Citroën Total. Bon, on va mettre ça. Ah, attendez, j'ai quand même pris la voiture à Sébastien Loeb. Peut-être qu'elle va me porter chance si ça se trouve. Peut-être. Donc dites-moi dans les commentaires si je vais bien, si je conduis bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah ouais, regardez graphiquement, rien que la voiture. Ah regardez, il y a même marqué sur le côté Loeb et Elena. Elena, c'est le copilote de Loeb. La voiture est super bien faite. Ouais, on voit marqué encore là, Loeb et Elena. Waouh, belle carrosserie, mes amis. Temps de chargement un peu long, mais bon, ça va. Il nous faut un peu la voiture sous tous les angles, donc ça nous occupe un petit peu. Ah, voilà, la Finlande. Ah, c'est joli. Hein. Franchement, graphiquement, ça pète. Ah, le petit pont en bois. Non, franchement, regardez, on se croirait vraiment sur le bord de la route. Voilà, les personnes. En plus, ils bougent. Parce que dans Colin McRae Dirt 1, qui était sur PS1, les personnes, c'était des mosaïques, les machines. Ils bougeaient pas, c'était des Lego. Tout simplement. C'est parti. C'est parti. Ah, là, merde, c'est à moi, là. Alors, par contre, ouais, je sais plus du tout les boutons, ce que ça fait depuis moins d'août que j'ai pas joué. Je crois que c'est croix, non? Non, ça se marche arrière. Ah non, c'est carré. Oh. Allez, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Bon, d'accord, il commence direct la course avec un virage. Alors, j'ai fait exprès de prendre une carte, enfin une course où il n'y a pas de neige ni de pluie, parce que quand il y a de la neige et de la pluie, ça glisse. Vous pouvez tenter des 360 degrés, double burger, double saucée. Mais bon, c'est plutôt déconseillé, hein. À part quand il y a les épingles, bon, c'est vraiment pour les PGM comme mon papa. Allez. Alors vous allez voir, je suis un fou du volant, comme le titre de la vidéo. Pour l'instant, franchement, je gère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système du rallye, alors le rallye, ce sont des voitures qui partent chacun de leur tour. Et en fait, celui qui a fait le meilleur temps sur la course a gagné. Alors, en ce qui concerne les sensations des voitures, je peux vous dire honnêtement que la voiture tient extrêmement bien la route. Et quand je dis extrêmement, je n'exagère pas honnêtement. J'ai beau faire des têtes à queue. Oulala, attendez. Petit virage. Oh là là, si mon moniteur me voyait comme ça, il serait fou. Hein. Il ferait, oh là là, une tension de vitesse, toi. Alors, j'ose même pas regarder, je sais combien. 143. Ouh, pas mal pour ça. Pour l'instant, je suis pas mal. Oh, le bruit de la bagnole, tout. Pouh, ça pète. Ah, je suis bientôt à l'arrivée. Vous voyez, sur le côté gauche, vous voyez une petite barre qui augmente, qui monte vers le haut. Bah, c'est tout simplement la voiture qui est sur la route. Ah, l'arrivée. Là. Je suis combien? Ouah, deuxième. Pour un gars qui a pas joué depuis 8 mois, sérieusement, respect. Ah, franchement, respect. Franchement, respect. Oui, alors, José, hein, c'est mon papa. Hein, c'est le nom de mon papa, c'est pas moi. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui joue, c'est juste que c'est mon papa qui a le compte, donc forcément, c'est à lui. Bon, bah franchement, pas mal, pour une petite partie comme ça, là, pas mal. Bon allez, on va en faire une deuxième, on va changer de course. On va essayer de mettre un autre environnement. J'aurais bien testé sur la neige, mais j'ai peur de me ramasser.
En vous, ça vous ferait marrer, bien sûr. Kenya, Michigan, Norvège. Ah, Norvège! Ah, mais Norvège, c'est la neige. Vous savez quoi? Allez, Nick, on y va. Je suis un fou. Je suis un fifou du volant. Toujours la même, toujours la même. Bon, allez, qu'est-ce que. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette première course où j'ai pas mal conduit, honnêtement. Hein. J'ai pas fait de sortie de route. C'est le principal. La voiture a été en bon état. C'est le principal. Mais j'ai pas fini premier. Ça, c'est le truc négatif. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo de détente. Donc, on n'est pas là pour de la compétition. On est là pour se détendre, pour changer un peu de Call of, de Battlefield. Voilà, pour voir un peu d'autres jeux. Dites-moi, justement, dites-moi ce que vous en pensez des petites vidéos détente que je vous fais. Dites-moi aussi les jeux sur lesquels vous voudrez bien me voir jouer. Donc voilà, proposez-moi des noms de jeux, que ce soit sur PS1, sur PS2, sur PS3, sur n'importe quoi, n'importe quel jeu, n'importe quelle console, dites-moi. Ah, la petite musique qui va venir avec. Bon allez, parti pour la deuxième course là, je suis chaud. Boum. Allez, laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Go, go, go! Ah ouais, alors j'aime bien, j'ai toujours bien aimé de toute façon les mecs qui sont à côté de vous avec leur droite, gauche léger, attention, épingle à 360 mètres. Bon, pour l'instant ça va, sans la neige ça a l'air d'aller. Oh franchement, sur la neige, il y a moyen. C'est assez facile. J'avais vu ça sur internet que eux, la particularité des pilotes de rallye, c'est que d'habitude, vous, quand vous freinez d'habitude avec le pied droit. D'accord? Vous avez un pied sur l'embrayage et un pied sur soit l'accélérateur, soit le freinage. Donc vous freinez avec le pied droit. Sauf que eux, les joueurs de rallye, comme ils ont tendance à toujours appuyer sur l'accélérateur, ben eux, ils freinent avec le pied gauche. Donc ils touchent jamais à l'embrayage pratiquement. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Alors là, je ne suis pas du tout. Je ne sais pas du tout, je suis combien. J'ose pas regarder le temps sur le côté. Bon, c'est quand je passe le premier point. Oui, parce qu'il y a différents points tout le long du parcours. Ce qui vous permet de voir vous êtes combien. Alors là, je dois pas mal être classé parce que vu que je rattrape le gars qui est devant moi, dans le rallye, c'est très très rare. C'est-à-dire que si vous rattrapez le gars qui est devant vous, qui est parti une minute avant vous, c'est que vous êtes extrêmement en avance. Non, non, non! Attendez, 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 comment on fait? Voilà, heureusement qu'il y a ce petit bouton qui vous permet de revenir en arrière. Oui, bon, je sais, je suis tricheur, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ensuite, c'est carré, non? Ouais, c'est carré. Donc, je vais essayer de le dépasser. Allez, pousse-toi! En plus, on a la même bagnole, je crois. Oh non, 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 non! Ah, petit ralenti. Ici. Faut que je freine, voilà. Je préfère freiner. Ça, c'est bien, ça, le petit système de nouvelles chances. Vous en avez 5 par course. C'est vrai que des fois, ça vous sauve la vie, comme là, je pense. Non, même pas. Hop. Épingle. Ah, là, faut que je trouve le frein à main, parce que pour les virages comme ça, là, par exemple. Je crois que c'est rond, non? Ouais, c'était rond. C'était rond. Mince. Non. Ah, je me suis trompé de bouton, je voulais regarder en arrière. Comment on fait? Ah, d'accord, j'ai trouvé. Mais je vais pas m'amuser à regarder en arrière, j'ai pas vraiment le temps là. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Et en plus, si vous avez les indications au sol sur les conseils qu'ils vous donnent. Donc quand c'est vert, vous pouvez accélérer, quand c'est jaune, vous devez ralentir, et quand c'est rouge, vous devez freiner. Ça, c'est pas mal. Vous voyez? Jaune, orange, rouge, hop. Je pense que je vais finir premier là, non? Franchement, si je finis pas premier, il y a un gros bug, hein, parce que franchement, vu comment je conduis comme un dieu, sérieusement, bon, hein, d'accord? Je suis pas un PGM, mais je suis pas mal quand même. Un jour, il faudra que je vous fasse voir une vidéo quand mon père y joue. C'est un fou, ce mec. Le mec, pour lui, le freinage, ça existe même pas. Il y a qu'un bouton, il y a que 4 boutons. Pour lui, c'est les croix directionnelles et l'accélérateur. Il joue qu'avec ça, il joue jamais avec le frein, il joue jamais avec le frein à main. Jamais avec la marche arrière, jamais avec les ralentis, parce que vu qu'il se coûte jamais, que c'est un dieu. Voilà. Droite moyen, c'est une gauche. Ah non, droite laquée. Allez, allez, allez. Sur arrivée. J'espère que je vais finir premier. Yeah! Oui! Yes, 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 yes. 2 minutes 54. Si, représente. Oh, je suis content là. J'ai fait une course deuxième, une course premier, et en plus c'était sur la neige, donc ça glisse normalement. Donc là, j'ai bien géré, je suis fier de moi, je suis content.
J'ai bien dormi, hein. Pour la peine, j'allais chercher une petite boisson après. Ah, je suis très content là. Voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser là, hein. C'était une petite vidéo détente pour être détendu pour la journée, pour la soirée ou pour la nuit. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo détente. D'ici là, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, je vous dis à salut, n'importe quoi, à bientôt. Salut tout le monde et à vos consoles.